Ce matin, les parents déposent leurs enfants à l'école avec beaucoup de questions en tête. La première d'entre elles, comment s'organiser à partir de la semaine prochaine ? Moi, je vais voir justement avec mon patron ce matin et je pense que je vais pouvoir faire du télétravail pour commencer. Et on verra parce que je ne vais pas pouvoir faire du télétravail tout le temps non plus. J'ai 3 enfants, donc mon mari travaille et à mon avis, lui ne pourra peut-être pas s'arrêter comme ça non plus. Donc ça va être à voir. En plus, on n'a aucune famille, nous, ici, donc c'est pas évident non plus. Lundi, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Donc, je suis aide-soignante et puis ça a été annoncé vendredi, donc on a 3 jours pour trouver une solution. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut trouver les mots justes pour rassurer les enfants, parfois inquiets face au coronavirus. Les parents devront aussi s'improviser enseignants. La maîtresse, elle nous dit de faire des jeux avec les chiffres, etc. pour les maternelles. La primaire, je ne sais pas, je vais aller voir comment on va faire. On va essayer de retravailler les devoirs et on va recevoir sur nos adresses mail. Il va peut-être y avoir une classe virtuelle par Internet, donc on fera ce qu'il faut. Pour pas avoir trop de retard pour les grands, surtout. Les lycéens, quant à eux, attendent des consignes. Ils ont appris la fermeture de leur établissement lundi, mais ils ne savent pas encore comment ils vont continuer à étudier. Déjà, avec la réforme, on est inquiets. En plus, avec les E3C, la réforme, et plus le coronavirus qui ferme tous les lycées, on en prend pas mal cette année, nous, les 2003. Ah, c'est un peu des vacances, quoi. Enfin, après, il faut quand même faire attention, mais en soi, moi, je le prends comme des vacances, quoi, pour aller skater, pour aller faire des choses en dehors, ça évite d'aller en cours. Pas d'inquiétude pour les examens ? Non, guère, pas vraiment. Non. Tous espèrent en savoir un peu plus dans les heures qui suivent. En Franche-Comté, plus de 100 000 élèves devront rester chez eux lundi.